un entrepreneur trime et souffre longtemps. On a souvent des, justement, quand je regarde, ce qui montre que quelqu'un n'a pas d'expérience, c'est quand il va mettre dans son business plan un salaire de malade dès le départ. Des bureaux super équipés, des choses qui ne sont absolument pas nécessaires pour créer une entreprise. Par contre, tu as un business plan où la majorité des demandes d'investissement sont sur des outils de travail et que le mec, il va se mettre dans son garage. Là, tu te dis, OK, lui, il est réaliste et il comprend où il va. Et donc, lui, peut-être qu'on peut lui faire de confiance parce qu'il a compris ce qui est important et où il doit dépenser de l'argent. Très souvent, la différence entre un patron et un entrepreneur, c'est qu'un entrepreneur est pauvre pendant très longtemps et qu'un patron, il se fait de l'argent relativement rapidement parce que c'est un salarié. C'est ça la différence.